Allô, Mati Kato, tu dors bien fatigué. Oh, t'es bien. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 27 octobre. Il fait chaud encore, c'était 14h matin, à 11h18. Mais pas de soleil. Mais en tout cas, ça devrait être. On va essayer d'aller marcher. Mon chum, il est en congé aujourd'hui. Pas moi aussi. Qu'on va se réussir à aller marcher. On va essayer d'aller marcher, faire des petites commissions. On va acheter du fromage à Kato. Kato n'a pas fait de crise hier. J'y pensais beaucoup, mais elle n'a pas fait, par chance. Mais elle n'a pas bien dormi encore. Puis là, elle est vraiment fatiguée. Là. Elle dort assise dans son lit. Là. Puis elle a eu un beau bain matin. Son bain est pris. Elle a bien mangé. Mais regardez, je vais vous la montrer. Regardez comme elle est fatiguée, ma petite poupoune. Elle est fatiguée, la petite fille. T'es cute. Faut dormir la nuit, Katia. C'est la nuit qu'il faut dormir. Hein? Ouais. Oh, faut leur mettre ton gilet, là. Va mettre ton petit manteau pour aller attendre dehors. Hein? Hein, Kato? Kato est vraiment à mauvaise humeur le matin. Bon, finalement, Kato est partie. Mais elle était bougon, là. Elle était bougon. Je pense que mon chum était là le matin parce que j'avais de la misère à l'envoyer dehors. Là, mon chum, elle croyait quand Kato, il disait, viens, on s'en va en auto parce que, tu sais, elle associe mon chum avec auto, c'est sûr, là. Fait que, une chance parce que sinon, elle s'écrasait à terre et elle me tapait. Elle allait savoir. Oh là là, elle était fatiguée là aussi, tu vois qu'elle voulait dormir, mais en tout cas. Fait que c'est ça, elle est partie. Là, on active nos tâches un petit peu. C'est sûr qu'on va aller marcher après-midi, puis ben, après-midi aujourd'hui, là. Puis on a des petites commissions à faire. Après ça, hier, la soirée avec Lika, elle était tellement le fun. Il est tellement reconnaissant, puis tellement content d'avoir des soirées avec nous, là. Fait que là, on est allé manger au Ashton. Après ça, on a magasiné ses bottes, mais ça, ça a été un peu long. On a fait la tournée de quelques magasins, et finalement, on trouvait qu'on n'avait pas de service. On est allé à Cité, au Carrefour. Puis là, on trouvait qu'on n'avait pas de service, elle prenait tout, puis qu'elle nous réponde. Puis tu vois que tout était lourd pour elle. Fait que là, on a dit, garde, on va aller aux chaussures pop, puis je me demande tout le temps pourquoi je vois pas l'en premier. On arrive là, tout de suite, elle demande ce qu'on cherchait. Là, j'ai dit qu'on cherchait des bottes pour lui, pour mon garçon. Elle dit, on va mesurer son pied tout de suite. Puis tu sais, après ça, elle aidait pour essayer les bottes. En tout cas, on a eu du bon service, on a acheté là. La Malika, il a trouvé ses bottes. Fait que c'était des bottes vraiment pour jouer dehors, puis pour aller faire du skido. Fait qu'il n'y aura pas froid aux pieds, c'est des moins 60. C'est la même marque qu'il y avait d'habitude, par exemple. Mais je pense un peu plus. Plus de qualité, dans le fond. Fait que ça, c'est fait. Après, on est allé faire le parcours de maison hantée chez Meubles Léon. Mais c'était drôle, les gars, il y avait peur, là. Ben, moi, tout au début, j'avais peur, mais après ça, je savais que quand on pilait ses plaques de métal, c'est là que ça nous fera un saut, t'sais. Fait que là, je m'en attendais d'avance que quand je pilais là, qu'il y aurait un saut. Fait que c'était moins peu, mais les cailles avaient pas, c'était vraiment hot, là. C'était vraiment, après, c'est donner des bonbons aux enfants. Ça, c'était gratuit, là. C'était vraiment le fun. Puis après, on est allé voir des skidos. Là, les cailles, mon chum tripait. D'aller dans le magasin de skidos. Moi, j'ai trouvé une belle tuque à 10$, la marque skido. Elle est vraiment belle, faudrait que je vous la montre. Puis après, on est allé au Dolo. Lucas a complété son costume. Puis moi, j'ai trouvé des petits costumes pas chers, je vais vous montrer. Mais Lucas, finalement, au bout du compte, ça va monter son costume. Il y a hier. Il a acheté pour 15$ de stock plus que ce qu'il avait acheté avant. Ça montre que quasiment 20$ pareil pour dire qu'un costume qui. Finalement, il ça monte, là. Puis, après, on a fait quoi? On est allé manger une crème glacée. Il me semble que j'ai oublié de quoi. C'est pas mal, ça. T'as été le fun. Et ça, c'est les bottes à l'éclat. La marque Baffin. Ça, c'est les bottes. Des 8, puis s'ils n'aimaient plus, puis ils sont encore popés, ils vont me faire. C'est ma grandeur. Bon, finalement, je reprends un peu plus tard. Il est rendu 10h30. C'est que Pam est arrivée entre temps. On a pris notre café avec. Là, elle est partie courir. Puis là, c'est ça, je vous parle un peu. Parce que là, moi, je vais aller commencer mes petites recettes pour l'Halloween, pour notre souper d'Halloween demain. Je vais faire mes glaces avec les bébites dedans. Je vais faire mon jello à l'orange. Là, je vais faire aussi ma pudding à pistache et les petits cupcakes. Je vais aller faire ça. Puis, on aimerait ça aller marcher, mais on sait pas trop ça va donner, parce que Pam a rendez-vous à 1h pour son char. Fait que, c'est pour ça que je m'active en attendant qu'elle est allée courir pour avancer mes choses moi aussi.
boutique Skidoo. Merde, c'est belle. Je l'aimerais même 10 pièces. Elle valait 30 en spécial à 10. Je la trouvais belle. La couleur m'attirait. Ensuite, au dolo, j'ai trouvé un petit kit de diablesse. Les petites ailes rouges avec la petite passe. On la met ça, ça allait voir mieux. Je trouvais ça cute. Puis un petit kit de lapin. De lapin avec la petite boucle et la petite queue. Fait que ça, c'était 4 pièces, je pense. Ça fait 9. Il me semble que ça, c'était 3. En tout cas, c'était pas cher. On a dîné. Puis elle est repartie chez elle. Puis c'est ça, on a dîné. J'avais fait de la salade de pâte hier, il en restait. Fait qu'on a mangé ça à midi. C'était bon. Puis là, ben, on va aller faire des commissions sous peu, là. On va aller faire des commissions pour en vue de notre souper demain. Puis qu'est-ce qui manque? Là, on n'a plus papier de toilette. En tout cas, on va aller faire ça. Puis après, si on a le temps de marcher, ben, on va aller marcher. Peut-être que Pam, elle va pas marcher avec nous, finalement. Fait que c'est ça. Mais là, je me sens, j'ai un coup de fatigue, là. Je me sens fatiguée. Là, c'est pour ça que je me sens assise un peu sur le divan. Je me sens brûlée. Puis là, j'ai une faveur à vous demander. Je vais vous parler de mon amie Amandine, qui est un petit garçon qui s'appelle Maxence, qui est handicapé lourdement aussi. Lui, il fait beaucoup, beaucoup de crises d'épilepsie. Tu sais, beaucoup plus que Katia, là. Il peut en faire plusieurs par jour, puis... Fait que c'est ça, il y a une déficience, il est handicapé lourdement, là. T'sais, ça ressemble beaucoup à Katia, même s'ils n'ont pas la même maladie, là. Là, c'est ça, il faut qu'elle fait une levée de fonds pour amasser de l'argent, pour pouvoir acheter une vanne adaptée, pour avoir un transport adapté pour son petit garçon Maxence, parce qu'il est en fauteuil roulant, puis tu sais, il faut la rampe qui sort, puis tout. Fait que là, elle fait une cagnotte pour se ramasser de l'argent. Puis là, ben, je voulais l'aider. Je voulais vraiment l'aider pour l'appuyer. Parce que je sais quoi, quand on a besoin d'aide, tu sais, que ça vit que ça coûte cher. Puis c'est apprécié quand les gens nous aident. Fait que je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller le partager sur vos réseaux ou donner. Ça serait apprécié, c'est sûr. Normalement, je fais pas ça trop souvent, mais là, c'est parce que c'est une abonnée qui est devenue une amie avec le temps. Ben, notre quotidien se ressemble, puis on a bien échangé. Fait que je veux l'appuyer dans sa demande, là, dans sa demande pour avoir un transport adapté sur son petit garçon. Fait que je vous mets le lien en barre d'infos, puis si ça vous tente de passer et aller partager ou ben donner un petit peu, ça ferait vraiment plaisir. Quand tu arrives de l'école, on l'a tout de suite embarqué dans l'auto parce qu'on voulait aller finir nos commissions. Parce que là, Pam est arrivée après-midi, puis on avait été faire des commissions un peu. On avait été chercher le fromage à Katia, on avait été au Bourbon, j'avais acheté les bonbons. Puis comme on est arrivé, on avait été à la boucherie aussi acheter la viande fondue. Pam est arrivée aussi tout de suite qu'on est arrivé à la maison. Puis on a essayé d'aller marcher. Fait ça, on a fait, on est allé marcher, on est allé prendre un café à l'artisan du café dehors. C'est vraiment une belle place, ça. Puis ça sent bon, mais tellement bon, là. C'était bon. C'était vraiment bon le café. J'ai pris un biscuit à cannelle, que c'était bon aussi. En tout cas, ça donne un bel après-midi. Puis après, on est retourné à la maison pour attendre le retour des enfants. Puis là, ben, on a embarqué toute Katia dans l'auto pour finir les commissions, parce que là, il fallait aller à sac. Puis il faut aller à l'épicerie finaliser qu'est-ce qu'il nous faut pour demain, genre de la salade, de la liqueur. Fait que c'est ça, mais on va débarquer à l'épicerie, hein, Katia?
Hey, bébé d'amour, Katia! Coucou! Hey, puis il fait quand même 20 aujourd'hui. On est quand même bien, c'est cool. Il n'y a pas de soleil, c'est sombre, mais il fait chaud. Puis, ah, c'est ça, je suis contente. J'ai ramassé une carte cadeau avec les sondages Léo, là. J'ai réussi à j'ai ramassé une autre carte cadeau de 20$. J'ai pris encore Walmart, finalement. Fait que ça va vite, hein. Là, je pense que ça faisait 3 semaines la dernière. Fait que je vais apprendre pas le marché sur une déco de Noël. Hein? Ou des choses, ou des décorations de fête à Katia pour sa fête. On va voir. Hein, bébé Katia? Katou, comment ça va? Katou, regarde maman. Puis à soir, on mange du spag pour souper. J'ai de la sauce qu'on a achetée au Victoria. On va goûter à la sauce à spag du Victoria. Ça, c'est la même que la lasagne, ça risque d'être bon. Fait que ça sera pas compliqué à soir. Parce qu'après ça, on va aller au parcours d'Halloween, au 7 chutes. Katou, Fait qu'il va être beau. T'inquiète. Toi, Katia, tu manges ton beigne? Hein, Katia, elle a bien soupé? Ouais. Elle mange son beigne. Mon but, c'est plus qu'il soit bon que beau. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Ah, c'est beau. Sur l'eau. Ce soir, je vais vous dire, bonne nuit. Je vais conclure ce soir. On est allé, on est venu pour aller au parcours, cette chute, mais il y avait tellement de monde, tellement de monde. Ils avaient une filée de chars de je sais pas comment. Mais on a fini par se rendre tranquillement pour les parkings. Mais là, la madame pour nous dire qu'il n'y avait plus de parking. Mais quand on a reviré de bord, parce que tu sais, on se voyait pas aller se parquer loin, marcher avec Katia au travers du trafic, puis du en tout cas. Puis commencer à mouiller. Mais je pense que Sab, puis les 15 autres ont réussi à y aller. Fait qu'on s'est revenu ici. Puis là, ben c'est ça. Nous allons coucher parce que demain, quand même, ça va être une grosse journée. Fait que je suis fatiguée, là. Fait que je vous dis bonne nuit. À demain pour une autre journée. Merci d'avoir suivi. Vous êtes des amours. Bonne soirée. Bye!